Je suis en train de chuchoter. Ben en fait, c'est parce qu'on a eu l'idée géniale de se réfugier dans une grosse grotte à cause de la grosse pluie dehors. Mais il y a aussi des chauves-souris bulldogs qui se sont réfugiés avec nous. Oh là là. Mais vous savez, peut-être vous avez jamais vu des chauves-souris bulldogs. C'est quand même un peu effrayant, mais en même temps incroyable. Oh, je ne serais pas si fort. Mais vous savez, Dieu, il a créé tous ces animaux. Ça me fait penser à la vérité. On le dit ensemble. L'amour de Dieu est incroyable! Je ne saurais pas si fort. Oui, Dieu, il a créé tous les animaux différents qu'on peut voir dans l'Amazonie. Bon, je te laisse découvrir tous les animaux de l'Amazonie. On se revoit. Au revoir. Dieu est amour. Voici comment Dieu nous a montré son amour. Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Alors, l'amour, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés. Il nous a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils. Celui-ci s'est offert un sacrifice pour nous, c'est pourquoi Dieu pardonne nos péchés. Savais-tu que Dieu a beaucoup de qualités? En fait, Dieu est parfait. La Bible nous dit comment Dieu est. J'aimerais te proposer un petit jeu. Tu vas deviner les mots. Question numéro 1. La Bible dit « Dieu est… » Cherche un mot de 3 lettres qui commence par la lettre B. Peux-tu le trouver? Oui, Dieu est bon. Il est plein de bonté pour nous. Question numéro 2. Dieu est... Cette fois, tu dois trouver un mot de 14 lettres qui commence par M. Peux-tu deviner ce mot? Oui, Dieu est miséricordieux. Ça veut dire qu'il est toujours prêt à nous pardonner quand on se tourne vers lui. Voici maintenant un dernier mot à trouver. Dieu est... Il s'agit d'un mot de 5 lettres qui commence par la lettre A.
Est-ce que tu sais de quel mot il s'agit? Oui, Dieu est amour. L'amour, c'est la nature même de Dieu. Dieu est ainsi. Non seulement il nous aime, mais il est amour. Voici la Bible, la parole de Dieu. Dans ce programme, nous apprenons trois versets qui se trouvent dans le livre 1 Jean au chapitre 4. Nous avons déjà appris le verset 9, mais aujourd'hui, nous allons apprendre les trois derniers mots du verset 8. Dans la Bible, il y a trois lettres écrites par l'apôtre Jean. Ces lettres se nomment 1 Jean, 2 Jean et 3 Jean. Nos versets se trouvent dans la première lettre de Jean au chapitre 4. Leur adresse ou référence est 1 Jean 4, 8 à 10. Nous allons répéter cette adresse trois fois ensemble pour mieux la retenir. Alors, fais-le avec moi. Disons l'adresse ensemble en faisant semblant de tenir une mygale de l'Amazonie dans notre main. 1 Jean 4, 8 à 10. Bravo! T'as été très courageux. Maintenant, disons-la en nageant comme les dauphins d'eau douce de l'Amazonie. 1 Jean 4, 8 à 10. Bravo, tu nages très bien. Enfin, disons-la en ramant très, très vite pour échapper à un caïman de l'Amazonie, un genre de crocodile. 1 Jean 4, 8 à 10. Phew! OK. Maintenant, je vais lire la partie du verset qu'on va apprendre aujourd'hui. Dieu est amour. Dieu est amour. L'amour de Dieu n'est pas comme notre amour à nous, les humains. Notre amour est souvent changeant selon le comportement des personnes qui nous entourent, même selon notre humeur. Mais l'amour de Dieu, lui, ne change jamais parce que Dieu est amour. Il est lui-même l'amour parfait. Tu ne t'attendrais peut-être pas à ce que Dieu, qui est parfait, aime des personnes comme toi et moi qui avons fait de mauvaises choses. Et pourtant, c'est bien vrai. Dieu nous aime vraiment beaucoup. Disons notre vérité ensemble. L'amour de Dieu est incroyable. Dieu t'aime tellement qu'il a envoyé son Fils, le Seigneur Jésus, mourir sur la croix et revenir à la vie pour toi. Si tu n'as jamais cru en Jésus comme ton Sauveur, tu peux le faire aujourd'hui même. Et si tu as déjà cru en Jésus comme ton Sauveur, tu es un enfant de Dieu et Dieu est ton Père céleste, il est plein d'amour pour toi. Peut-être que parfois tu te dis, si Dieu m'aimait vraiment, il me laisserait avoir ceci ou faire cela. Il y a des personnes qui pensent qu'aimer quelqu'un, c'est lui donner tout ce qu'il désire. Mais ce n'est pas ça le vrai amour. Souviens-toi que Dieu est ton Père céleste et qu'il va toujours faire ce qui est le mieux pour toi. L'amour de Dieu est incroyable et extraordinaire, au-delà de tout ce que tu peux imaginer. Disons notre vérité encore une fois. L'amour de Dieu est incroyable. Apprenons des gestes pour nous aider à mémoriser ce verset. 1 Jean 4, 8 à 10. Dieu est amour. Voici comment Dieu nous a montré son amour. Il a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Jouons un petit jeu pour continuer à apprendre ce verset. Il y a des animaux de la forêt tropicale qui vont venir cacher des parties du verset. Est-ce que tu seras capable quand même de le dire? 1 Jean 4, 8 à 10. Dieu est amour.
Voici comment Dieu nous a montré son amour. Il a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. En Jean 4, 8 à 10, Dieu est amour. Voici comment Dieu nous a montré son amour. Il a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. En Jean 4, 8 à 10, Dieu est amour. Voici comment Dieu nous a montré son amour. Il a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. As-tu réussi? Si oui, tu es prêt pour le défi vitesse. Cherche la catégorie bouger sur le site web. Malika était vraiment fâchée contre sa sœur qui venait de briser son nouveau jouet. Malika avait plein de mauvaises pensées dans sa tête et elle voulait vraiment se venger. Mais Malika, en fin de compte, a décidé d'aller dans sa chambre, de se calmer et de prier. Et ensuite, elle a eu la force de pardonner à sa sœur. Et elle était remplie à ce moment-là de joie et de paix. Dans sa prière, Malika a demandé à Dieu de lui pardonner ses mauvaises pensées contre sa sœur et de lui donner la force de la pardonner. Et Dieu, tu sais quoi, c'est ce qu'il a fait. Et est-ce que toi, ça t'arrive aussi des fois d'être tenté de pécher ou de faire quelque chose que tu sais que c'est mauvais? Eh bien, quand ça t'arrive, tu peux demander comme Malika à Dieu, tu peux prier à Dieu, lui demander de t'aider à résister au péché. Et une fois, quand tu réussis, c'est tout un exploit et tu peux remercier Dieu, chanter à Dieu pour le remercier de son aide. Comme le dit notre chanson aujourd'hui, Dieu sait, Dieu entend et Dieu me guide à chaque instant. Viens chanter avec moi. Et
aventures avec Dave. Hey, salut Dave! Oh! T'as l'air de super de bonne humeur, ça va bien? Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Oh, du ballet, hein? Non? Ah, je pense qu'il cherche son panneau. Il perd toujours son panneau, mais il n'est pas très loin. Ah, trouvé! Bravo, Dave! Oh, deux panneaux aujourd'hui! Waouh, on a évolué! Ah ouais, avec ta blessure, c'est pas très évident pour les tenir, hein? Qu'est-ce que tu vas faire? Ah, oh, Dave, tu es trop ingénieux! La canopée! On va parler sur la canopée, les passes supérieures de l'Amazonie. Dans la canopée... Oh, il pleut! Oui! Il pleut énormément, oui, il pleut. Il pleut! Oh! Oh! Dave, on dirait que toi, tu es dans la canopée. Il pleut beaucoup. Oui, mais ce chapeau ne va pas t'aider avec la pluie. Oh, Dave est parti. Oh, il est revenu dans la pluie. Qu'est-ce qu'il a trouvé? Oh, un parapluie. OK, Dave, vas-y, t'es capable. Dépêche-toi avant d'être trop mouillé. Yeah! Bravo, Dave! Tu as réussi! Maintenant, tu es protégé de la pluie. Qu'est-ce que... Ça fait beaucoup de pluie dans la... Beaucoup de pluie dans la canopée. Et encore une fois... Wow! Je pense que maintenant, tu es complètement mouillé. Ça ne sert plus à rien, ton parapluie, Dave. Non, ça ne sert plus à rien. Oh oui, tu dois avoir très, très froid. Il fait très froid en ce moment et humide, hein? Qu'est-ce que tu vas faire avec cette botte, Dave? Je crois qu'il est rempli d'eau. Oh, Dave, je pense que tu n'étais pas assez mouillé, hein? Bon, on se revoit la prochaine fois. Salut! On a vu que Daouma avait bien accepté d'aider Rachel et Nit à apprendre la langue de Wawan. Et on a vu aussi que Daouma a raconté à Rachel la raison pour laquelle elle s'était enfuie et qu'elle a bien décrit à quel point que son peuple n'était pas très gentil. Et on a vu comment que Rachel a appris des choses tristes des Raorani. Mais une fois, pendant que Nit utilisait son avion pour livrer des fournitures dans la jungle, quelqu'un a couru. À l'aide! À l'aide! Deux personnes à proximité avaient été attaquées par des Raorani. Et ils avaient besoin de Nate pour les emmener voir un médecin. Les Raorani les avaient blessés. Et oui, ils avaient attaqué en lançant des lance-pierres et ils avaient gravement blessé. Et Nate les a aidés à monter dans l'avion et à rapidement piloter pour obtenir de l'aide. Les personnes qui avaient été blessées étaient très fâchées contre les Raorani et ils voulaient se venger. Nous vous paierons pour retourner dans la jungle et tirons sur les Raorani. Et Nate, il ne voulait pas être payé pour ça. Il ne voulait pas blesser les Raorani. Il ne voulait pas faire du mal à personne. Et Nate a dit, je ne veux pas les tuer. Je veux sauver leur vie en leur parlant de Jésus-Christ. Et c'était la première fois qu'ils étaient si proches d'une attaque des Raorani. Et cela lui rappelait combien les Raorani avaient besoin d'entendre parler de Jésus. Nit a beaucoup pensé aux Raorani et il a beaucoup prié pour eux, alors qu'il voyageait dans son avion durant les journées, dans un endroit à l'autre dans la jungle, pour livrer les fournitures aux missionnaires. Il a également rencontré d'autres missionnaires qui voulaient eux aussi aider les Raorani. Maintenant, faisant semblant de voler dans la jungle avec Nit, en rencontrant certains de ses missionnaires, les missionnaires que nous allons rencontrer ont tous quelque chose en commun. Je veux voir si tu es capable de découvrir c'est quoi. OK, on attache nos ceintures de sécurité. Nous allons décoller. Est-ce que tu es prêt? Allons-y! Vroom. Premièrement, nous allons rendre visite à la famille de Roger. Roger voulait que les gens de la jungle entendent parler de Jésus, même les Raorani. Il n'avait pas peur de parler de Dieu, même aux personnes dangereuses. Et Roger savait que l'amour de Dieu est incroyable et que l'amour de Dieu peut faire des choses qu'on ne peut pas imaginer. Voici un exemple. Roger était allé dans la jungle pour rencontrer un chef dangereux de notre tribu. Au début, le chef voulait tuer Roger. Mais ensuite, le chef est tombé très malade
Et quand Roger a prié pour lui et il lui a donné des médicaments, le chef s'est rétabli. Et désormais, le chef est devenu ami avec Roger et Roger pouvait lui parler de Jésus. Waouh, l'amour de Dieu est vraiment incroyable. Voilà une façon dont les missionnaires utilisaient les médicaments que Nate apportait dans son avion. Fais en semblant de prendre une boîte de médicaments et de le donner à Roger. Tenez, Roger! Ok, maintenant c'est reparti. Bloquons notre ceinture. Nous allons apporter de la nourriture et d'autres fournitures à Jim et Betty Elliott. C'était des missionnaires de la jungle. Ils ne pouvaient pas simplement aller dans les magasins et acheter ce dont ils avaient besoin. Il n'y avait pas de magasin. Alors, Nate devait apporter les choses dont ils avaient besoin dans son avion, faisant semblant de donner un sac de nourriture à Jim et Betty. Tenez, Jim et Betty! Donc, Nate aimait apporter de la nourriture à Jim et Betty. Et souvent, il restait pour déjeuner et parler avec eux. Nate et Jim aimaient particulièrement parler des Waorani. Jim avait entendu parler des Waorani avant même de venir dans la jungle. Et il avait prié pendant des années pour que Dieu lui permette de parler de Jésus aux Waorani. Mais bientôt, Nate devait remonter dans l'avion et partir pour voir un autre missionnaire. Est-ce que tu es prêt? Remontons dans l'avion pour partir pour voir un autre missionnaire. Est-ce que tu es prêt? Bloquons notre ceinture et c'est parti! Maintenant, c'est son ami Ed. Ed était en train de construire une nouvelle maison dans la partie de la jungle qui était tout près des Waorani. Et Ed savait que c'était dangereux, mais il voulait créer des liens d'amitié avec les Waorani et surtout, il voulait les parler de Jésus. Et Nate, il était doué pour inventer et construire des choses. Alors, il a aidé son ami à faire une alarme sonore avec des lumières vives pour effrayer les Waorani qui voulaient blesser la famille de Ed. On va faire en semblant de construire. Alors, Ned, il aimait construire et planifier des choses. Mais parfois, il devait changer de plan en cas d'urgence. Attention, il y a quelqu'un qui demande de l'aide. On doit aller visiter un autre missionnaire. Attachez nos ceintures. On y va! Oh, maintenant, c'est son ami Pete. Et son ami, lui, son rôle, c'était d'appeler dans la radio et dire « Quelqu'un a été blessé dans un accident! Quelqu'un a été blessé dans un accident! Nous avons besoin de vous pour envoyer quelqu'un chez le médecin! » Alors, Ned devait embarquer dans son avion et se dépêcher pour y aller pour utiliser son avion comme une ambulance. Alors, si quelqu'un était malade et gravement blessé, alors l'avion de Ned était le seul moyen pour amener les gens chez le médecin avant qu'il soit trop tard. Alors, Ned aidait Pete à transporter cette personne rapidement pour être soignée. Donc, imaginons que nous devons aider quelqu'un à être blessé. Et quand il n'y avait pas d'urgence, ben Nate, il aimait rester pour discuter avec Pete et sa femme. Et Pete, lui aussi, il priait depuis longtemps pour que Dieu les aide à parler de Jésus au roi Orani. Waouh! Ce sont là que quelques missionnaires que Nate a aidés dans la jungle. Mais ils avaient tous quelque chose en commun. Est-ce que tu as vu c'était quoi la chose en commun? Oui, ils voulaient parler de Jésus aux Waorani. Donc finalement, ils ont commencé à travailler ensemble, en équipe, pour planifier des moyens pour savoir comment ils vont parler de Jésus aux Waorani. Mais c'est quand ce jour va arriver? Est-ce que finalement, ils vont atterrir dans le village des Waorani? Oh. Mais pour savoir, reviens-nous la prochaine fois! Mon ami avait pris son temps pour construire un beau et grand château de verre en plastique. Et moi, j'ai tout détruit parce que j'ai pensé jusqu'à moi et j'ai joué avec mon ballon. Oh non! En plus, mon ami m'avait demandé de jouer plus loin avec mon ballon. Mais moi, je pensais jusqu'à moi, les amis, non! Pourquoi je pense jusqu'à moi? Là, maintenant, je culpabilise. Oh. Mais vous savez, Dieu, il est là et il peut toujours nous aider à penser aussi aux autres. D'ailleurs, je connais une chanson qui nous rappelle qu'il faut aussi penser aux autres. Chante avec moi. L'amour est bon et patient pour tous et tout le temps. Il ne regarde pas à lui pour servir autrui. Mais mon cœur lutte au-dedans, Seigneur, j'ai besoin de toi pour grandir, montrer, donner la
l'amour autour de moi. Libère-moi, Jésus, pour aimer toujours plus. Parce que tu m'as aimé, toi le premier, moi je peux t'aimer. Parce que tu m'as aimé, les autres je les aimerai comme tu le fais. Je les aimerai. L'amour c'est donner sans compter. Donner à Dieu en premier, à son voisin encore donné, et au monde entier. Cet amour je ne l'ai pas, je ne pense toujours qu'à moi. Seigneur, j'ai besoin de toi, de mon orgueil sauve-moi. Libère-moi Jésus. Des fois, ça t'arrive d'être déçu par un ami? Peut-être que ton ami il est trop triste et il ne veut pas jouer dehors avec toi, ou qu'il est trop occupé, ou peut-être qu'il est de mauvaise humeur et il ne veut pas te parler, ou peut-être qu'il est trop égoïste et qu'il ne veut pas partager avec toi. Eh bien, tu sais quoi? C'est décevant, hein, n'est-ce pas? Mais il y a une personne qui n'est pas comme ça et qui n'est pas décevant, c'est Dieu. Et Dieu, il t'aime énormément. Puis, il y a ceux qui pensent que Dieu, ben, il les déçoit parce qu'il ne répond pas à leurs prières. Mais si tu as cru au Seigneur Jésus comme ton sauveur, eh bien, Dieu est ton Père céleste et il te promet de répondre à tes prières. Et parce qu'il est Dieu, ben, tu peux toujours compter sur lui et avoir confiance en lui. On a déjà vu 3 qualités de Dieu. Est-ce que tu t'en rappelles? Oui, donc Dieu est bon, Dieu est miséricordieux et Dieu est amour. Et cette semaine, eh bien, nous voyons que l'amour de Dieu est incroyable. Est-ce que tu veux le dire avec moi? L'amour de Dieu est incroyable. OK, maintenant, nous allons jouer un petit jeu. Donc, j'ai un mot dans ma tête auquel je pense qui est une qualité de Dieu, un attribut de Dieu. Puis, il faut que tu devines ce mot avant que toutes les lettres apparaissent à l'écran. Donc, par contre, je vais toujours te donner la première lettre du mot. Et combien de lettres il se trouve dans ce mot? Est-ce que tu es prêt à jouer? Ce mot commence par la lettre F et il a 6 lettres. Dieu est... Oui, Dieu est fidèle. Être fidèle veut dire dont le dévouement reste constant et sur lequel on est sûr de pouvoir compter. Un autre. Celui-ci commence par la lettre S et il a 9 lettres. Dieu est... Oui, Dieu est souverain. Cela veut dire que Dieu est le dirigeant de tout et contrôle tout. Et un dernier. Celui-ci commence par la lettre P et il a 8 lettres. Dieu est... Oui, Dieu est puissant. Dieu est capable de tout faire. Rien ne lui est impossible.
Si Dieu a toutes ses qualités, est-ce que tu penses que tu peux compter sur lui? Mais oui, est-ce que tu peux croire aussi que ce qu'il fait est bon pour toi? Oui, exactement. Et s'il semble qu'il ne répond pas à ta prière, eh bien ce n'est pas parce que Dieu est impuissant ou qu'il est incapable ou qu'il n'est pas, il n'est pas assez fort ou qu'il est trop occupé, mais c'est vraiment parce que des fois, Dieu, il répond oui, des fois, il répond non et des fois, il répond attends. Mais Dieu, il répond toujours. Et s'il répond oui, eh bien tu peux être sûr que cela est bon pour toi. Et s'il répond non, eh bien tu peux quand même te réjouir parce que Dieu a un meilleur plan pour ta vie. Et parfois, ben, il te répond à temps. Eh bien, c'est simplement pour t'apprendre à lui faire confiance ou parce que ben, ce n'est pas le bon moment. Mais c'est incroyable de savoir que Dieu, ben, il donne toujours la meilleure réponse à ta prière. On va dire notre vérité ensemble. L'amour de Dieu est incroyable. Chaque fois que tu pries, tu peux toujours louer Dieu pour ses qualités et tu peux croire que Dieu, ben, il va te répondre à toutes tes prières. Mon Dieu, je crois que tu es puissant et plein d'amour pour moi. S'il te plaît, aide-moi à compter sur toi, sachant que tu vas répondre à mes prières. Amen. 1, 2, 3, 4, 5. Deus é bom pra mim. Deus é bom pra mim. Es-tu prêt à explorer d'autres langues? Clique sur « Explorer » et puis « Comment dit-on? » Les aventures continuent! Ne manque surtout pas le prochain épisode!